un homme qui surgit et qui tire alors que l'ambassadeur russe en Turquie inaugure une expo photo à Ankara. Andrei Karlov, 62 ans, en poste dans la capitale turque depuis 2013, est tué par cet homme qui hurle en arabe et en turc « N'oubliez pas la Syrie, n'oubliez pas Alep ». Mertal Tintaj, 22 ans, s'est aussi présenté comme un djihadiste. Il a pu s'inviter sans problème dans la manifestation. Il est policier à Ankara, membre des forces anti-émeutes. Il est abattu par la police peu après. Trois personnes blessées dans l'attentat ont été hospitalisées. Les États-Unis, l'Union européenne ont condamné l'attaque contre le diplomate russe en Turquie. Le maire d'Ankara a déclaré que cette attaque ruinait les relations russo-turques. Des relations qui sont compliquées depuis le conflit syrien. Ankara, qui espère la chute de Bachar al-Assad, aide les rebelles et est accusée de soutenir les djihadistes. La Russie, elle, est aux côtés du régime syrien, qui n'aurait pu, sans Moscou, regagner du terrain et reprendre Alep. Moscou dénonce un acte terroriste et va exiger la condamnation de cette attaque devant le Conseil de sécurité de l'ONU dès aujourd'hui. Thank you.